Lisons Romains chapitre 3, versets 1 à 21. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la condamnation du péché. Sous la domination du péché, pardon. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. Nous poursuivons notre série dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, et nous en sommes au chapitre 3. Le texte nous contraint à rester encore un peu sur un sujet difficile, vous l'avez peut-être entendu à la lecture, un sujet difficile mais nécessaire. Nous sommes, vous et moi, comme convoqués à nouveau dans l'impressionnant bâtiment du tribunal, la cour de justice. L'endroit est solennel, l'enjeu est immense pour chacune des parties représentées qui sont entrées dans ce procès. Les personnes en présence ne sont pas des moins que rien. D'un côté, seul, dans sa catégorie en tout cas, Dieu, le Dieu, créateur de l'univers, l'auteur de tout ce qui existe et celui qui soutient le monde. Et face à lui, dans une autre catégorie, ils sont nombreux, c'est l'humanité, tous les hommes et les femmes, en fait, depuis Adam et Ève, de toutes conditions, de toutes langues et cultures et nations. Cette humanité, nous en faisons partie. Nous sommes concernés par ce qui est en jeu dans ces chapitres de la Bible. Peu importe si tous ne sont pas venus aux audiences et continuent de vivre leur vie sans se soucier de ce qui est dit dans le tribunal. Mais vous et moi, nous sommes là ce matin et le texte nous contraint à nouveau à entrer dans cette salle de tribunal, écouter les arguments des parties en présence. Et nous sommes où nous devrions être d'autant plus concernés que tout procès, comme vous le savez, doit se terminer avec un jugement rendu. Et le verset 6 nous donne un rappel. Dieu va juger le monde. Le monde va vers une fin, et ce jour-là, Dieu jugera les hommes. Mais plusieurs contestent à Dieu ce droit, et c'est en réalité l'objet du procès. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase du procès, les verdicts vont tomber, les sentences vont être prononcées. Et voilà l'idée principale à laquelle je crois le texte nous amène ce matin, de réaliser que nos tentatives de nous justifier sont vaines. Dieu est fidèle,
mais nous, humains, nous sommes coupables d'infidélité. Et voici les implications qui ressortent alors, et que je vous invite à considérer à partir du texte ce matin. Face à la réalité, Dieu est juste, les versets 1 à 8. Il nous faudra nous humilier. Et nous humilier aussi face au verdict, versets 9 à 19. Nous sommes tous coupables. Et on regardera versets 20 et 21. Quel espoir reste-t-il ? L'apôtre Paul, depuis le verset 18 du chapitre 1, est en train de montrer que Dieu est dans une juste colère contre toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que tous, hommes, femmes, de toutes conditions, à travers les générations, se sont détournés de lui et n'ont pas cru bon de l'honorer pour qui il est, le Dieu. Ça paraît évident au début que Dieu puisse être en colère contre ceux qui font le mal délibérément et qui approuvent ceux qui agissent comme eux. Mais au chapitre 2, on l'a vu la semaine passée, Paul nous a rappelé que Dieu est le seul, en fait, à pouvoir juger le monde. Et il le fera sans favoritisme. Ce qui fait que même les gens respectables, les gens religieux, seront aussi jugés, car tout en désapprouvant les mauvaises actions des autres, ils sont incapables de vivre eux-mêmes des vies parfaites. L'hypocrisie religieuse ne protégera personne. Dieu voit au-delà des apparences. Il voit ce qui est dans le cœur. Et le chapitre 2 a terminé sur une idée vraiment offensante dans un sens pour des gens religieux, pour les juifs à qui Paul s'adresse en premier ici. Il dit le juif n'est pas celui qui en a l'apparence. Il y a des juifs qui ne sont pas réellement juifs, c'est-à-dire qui en quelque sorte n'appartiennent pas en fin de compte au peuple de Dieu. Et il y a des non-juifs qui peuvent être juifs, même s'ils ne sont pas circoncis physiquement. Ils sont au bénéfice de l'alliance de Dieu. Dieu est leur Dieu et ils lui appartiennent. Cette affirmation déclenche une série de questions qui semblent tourner contre Paul et le message qu'il annonce, c'est-à-dire l'Évangile. Mais en réalité, celui qui est visé derrière toutes ces discussions et arguments, c'est la personne de Dieu. Dieu est-il juste ? Dieu est-il fidèle ? Oui ou non ? Il y a trois questions dans ces versets 1 à 8 que je vous invite à considérer. Elles se trouvent au verset 1, au verset 3 et au verset 5. La première question, regardez versets 1 et 2, c'est un peu celle-ci. Quelle est l'utilité d'être religieux si ça n'offre aucune protection particulière ? Quel est l'avantage des Juifs et de la circoncision ? L'apôtre Paul répond en mettant en avant un avantage qui est au-dessus de tous les autres même. C'est le fait que les Juifs ont reçu les paroles révélées de Dieu. Les 39 livres de l'Ancien Testament qui sont aussi dans nos Bibles, la loi et les prophètes. Ces paroles de Dieu sont plus que des exigences et des cases à cocher de ce que l'on peut faire ou pas. Ces paroles sont une invitation pour les Juifs en premier, mais aussi pour les non-Juifs, à entrer dans une relation avec Dieu, un Dieu parfait qui a fait des promesses. Oui, Dieu a promis qu'il interviendrait pour retourner les conséquences du péché par le roi qu'il s'est choisi. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham de lui donner une descendance, un avenir, une relation spéciale entre lui et Dieu. Ces promesses sont à saisir par la foi et pour la foi, comme on l'avait vu, c'est-à-dire pour une vie vécue en accord avec ces promesses extraordinaires. Les paroles de Dieu sont vraies, elles sont capables de produire un tel changement. Et si nous nous appuyons aujourd'hui seulement sur le fait que nous sommes sur la liste des membres de telle ou telle église, ou par notre baptême, mais sans connaître et nous appuyer sur la parole de Dieu, nous sommes comme ces Juifs du premier siècle, dans une fausse sécurité. Fausse sécurité, Paul, tu sers en train de dire, regardez verset 3, que l'infidélité de certains annulerait la promesse de Dieu d'avoir un peuple qui lui appartienne ? Certainement pas, répond Paul. Dieu peut rester fidèle, ses paroles demeurer vraies, ses promesses être toujours valables, même si personne n'y répondait. Il reste loyal, même si l'autre partie se montre déloyale. C'est comme si vous alliez attaquer un marchand de machines à laver le linge parce que la machine que vous avez achetée ne lave pas votre vaisselle et même elle la casse. Le vendeur va vous dire, mais
la machine fonctionne conformément à ce pourquoi je l'ai mise sur le marché. Si vous l'avez utilisée de travers, ce n'est pas mon tort, mais le vôtre. Pardon pour cette image qui est un peu loin des vérités assez solennelles dont on est en train de parler. Restez avec moi. Et le texte, et comprenez que ce dont nous parlons, c'est notre vie et notre relation avec le Dieu créateur de tout l'univers. En réalité, en posant la question du verset 3, on est comme en train d'accuser Dieu. Mais il faut reconnaître que Dieu est vrai et nous, menteurs. Dieu va être fidèle à ses promesses. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas condamner le mal et le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas juger le péché même de son peuple. En jugeant le péché du monde et le péché de son peuple, Dieu n'est pas infidèle. Au contraire, il agit conformément à ce qui est juste, à ce qui est parfaitement juste. Et même David, non seulement un juif pieux, mais même le meilleur roi des juifs, l'avait reconnu. C'est le sens de la citation, fin du verset 4. Elle est tirée du psaume 51, un psaume de confession écrit par David après qu'il ait commis des actes horribles. Vous pouvez voir ça dans 2 Samuel 11. David a commis un adultère et il a fait tuer le mari trompé. Mais il ne dit pas « puisque je suis circoncis, tout va bien ». Il ne dit pas « Dieu est amour, donc tout ira bien pour moi ». Il ne chante pas « on ira tous au paradis ». Non, le psaume 51 n'est pas un psaume de louange, mais la prière d'un homme qui a mal agi et qui le reconnaît. « J'ai péché contre toi seul, éternel, » dit David. Et un peu plus loin, David reconnaissait deux choses. Dieu a été juste dans ses paroles et sa sentence. Et en fait, Dieu est toujours juste. On ne peut triompher de Dieu dans un procès contre lui car il est sans défaut, pur, juste, bon, tandis que nous ne le sommes pas. À nous la honte et à lui l'honneur, mais n'essayons pas de dire que Dieu n'est pas clair dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et regardez verset 5, un troisième argument qui montre en réalité que tous nos raisonnements sont basés sur un désir de nous élever et de nous auto-justifier, même au mépris de toute logique. Regardez verset 5. Mais Dieu exagère de nous juger si sévèrement. Il devrait même nous remercier quand nous agissons mal. Pourquoi se fâche-t-il, puisqu'en fait, nous servons ses intérêts? Ben oui, si mon injustice met en évidence la justice parfaite de Dieu, de quoi se plaint-il? En fait, nous le glorifions par notre injustice. Et donc, Dieu est injuste quand il se met en colère contre nous. L'argument est tellement gros, mais c'est quand on n'a plus rien à dire qu'on imagine les arguments les plus énormes, justement, et les plus sots. Imaginez un enfant tenir ce raisonnement devant ses parents. « Oh, pourquoi vous vous fâchez avec moi, papa et maman? Quand j'agis mal, en fait, tout le monde voit que vous êtes cool. » Donc, de quoi vous plaignez-vous? Et la réponse de Paul est claire. Premièrement, Dieu ne pourrait pas juger le monde s'il n'était pas impartial. Non, le mal est mal. On peut essayer de renverser les valeurs, mais Dieu garantit qu'il va juger le mal pour ce qu'il est. Mal. Bonne nouvelle dans un sens pour nous, mais nous avons quelqu'un qui reconnaîtra et jugera ceux qui nous ont fait du mal. Mais mauvaise nouvelle aussi, parce que nous ne sommes pas que des victimes, nous sommes aussi trop souvent des acteurs du mal. Deuxièmement, pourquoi me condamnez-vous, dit Paul, comme un abject menteur? Vous réclamez la tolérance pour vous, tout en étant vous-même intolérant. En fait, vous ne vivez pas en cohérence avec la logique que vous venez d'exprimer. Et troisièmement, vraiment, vous voulez pousser cette logique jusqu'au bout? Ce serait ça votre idéal? Faisons le mal, allons-y à fond, comme ça Dieu sera glorifié? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vivre dans un monde où votre voisin, votre collègue, ta femme, ton mari, tes enfants ne se donnent aucune retenue dans le mal qu'ils sont capables de faire, en pensant qu'ils glorifient Dieu? Personne ne veut vivre dans un tel monde. En fait, tout ce que ces arguments ont prouvé jusqu'à présent, c'est que l'homme est tordu, mais pas Dieu.
La réalité qui ressort et le premier verdict qui tombe, alors, c'est que Dieu est irréprochable. Il a une conduite parfaite. Il est fidèle en tout. Il est juste. Il est vrai. Plutôt que de nous auto-justifier, humilions-nous. Voici la réalité. Aucune charge ne peut être retenue contre Dieu. Il est Dieu parfait, même dans sa colère et sa justice. Et c'est ce Dieu qui va juger le monde, qui va nous juger. Alors, il faut regarder qu'en est-il de l'humanité. Et je vous invite à considérer les versets 9 à 19 maintenant. Sommes-nous supérieurs aux autres, dit Paul. Et ce « nous », c'est les Juifs dont Paul fait partie. Il dit « pas du tout ». Il n'y a qu'un seul verdict pour toute l'humanité. Nous sommes tous coupables. Et cela a été prouvé aussi en long et en large depuis le chapitre 1, verset 18. Tous, Juifs ou non-Juifs, nous sommes sous la domination du péché, verset 9. Et la parole de Dieu qui est citée nous montre ce à quoi ressemblent les versets, ce à quoi ça ressemble. Les versets 10 à 18 contiennent plusieurs citations de psaumes, un passage d'Ésaïe qui, mis bout à bout, nous donne de voir la réalité en face. Et ce n'est pas ce qu'on aurait voulu voir, mais c'est ce que nous sommes. Regardez, verset 10, tous, sans exception. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun, verset 11 et fin du verset 12, avec le même constat, pas même un seul, pas même une seule. Tous ensemble, verset 12. Nous sommes tous sous l'emprise du péché. Nous sommes gouvernés, orientés par un désir de mettre Dieu en dehors de notre existence. Regardez, ce qui s'ensuit, c'est une attitude. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette expérience d'avoir été snobé par une de vos connaissances, peut-être dans la rue ou à une réception. Vous étiez là, elle vous a complètement ignoré, volontairement. Et ce que ce texte nous dit, c'est que nous faisons la même chose avec Dieu. Et ça implique alors, ça impacte tous les domaines de notre vie. Tous les domaines sont impactés, à commencer par nos paroles, versets 13 et 14. La source est pourrie, alors ce qui sort de cette source est mauvais aussi. Nous cherchons à tuer les gens avec nos paroles. Certaines choses que nous disons sont comme un venin qui fait un effet à long terme. Vous avez peut-être des paroles qui continuent à résonner en vous, qu'on vous a dites, qui continuent de vous blesser. Il est probable que quelqu'un aujourd'hui ait à souffrir même de paroles que vous avez prononcées qui l'ont blessé. C'était de simples paroles dans une discussion rapide. La langue est un petit instrument, nous rappelle l'apôtre Jacques, mais qui peut causer de grands dégâts. Et après nos paroles viennent nos actions. Nous sommes mauvais et méchants, là aussi dominés par le péché. C'est vrai, pas aussi intensément que nous en serions capables, mais rien en nous n'a été laissé intact par le péché. C'est ce que le passage nous dit. Et la conclusion au verset 19-20 ne nous laisse aucun échappatoire. Connaître les exigences de Dieu ne nous est d'aucune utilité pour nous sauver. La loi est utile dans le sens où elle nous montre ce que Dieu voudrait, ce qu'est une vie juste. Si vous vous posez la question, mais ça veut dire quoi? Regardez la loi. Mais personne n'est en mesure de l'appliquer parfaitement à sa propre vie. En fait, la loi de Dieu, du coup, met en lumière même nos manquements. Elle rend évidente que nous sommes tous coupables. Ainsi, toute bouche est fermée. Nous ne pouvons que nous humilier devant la réalité. Dieu est saint, parfait, et devant le verdict juste en ce qui nous concerne, nous sommes coupables devant Dieu. Moi, toi, nous tous. Alors, la question c'est, est-ce qu'il reste un espoir? Et si vous rappelez Romains 1, 18, ce verset nous dit pourquoi nous en sommes là aujourd'hui.
Nous n'avons pas craint Dieu. Nous n'avons pas jugé bon d'être reconnaissants envers Dieu. Et c'est la même cause, qui est rappelée au verset 18 du chapitre 3 qu'on vient de lire. N'ayant eu aucune crainte de Dieu devant nos yeux, nous nous sommes rendus coupables. Et la peine qui vient avec la condamnation, c'est la mort, l'enfer. Nous devons, si nous avons compris ce passage, revenir à Dieu avec crainte et tremblement, sachant qu'il est juste, oui, mais qu'il a aussi fait des promesses. À la fin du verset 21, on ne sait pas comment il va pouvoir tenir ses promesses tout en restant juste. Mais au moins, le passage d'aujourd'hui nous a appris une chose, c'est que ce n'est certainement pas en contestant avec lui que nous arriverons quelque part. Le verset 21 est comme un petit teaser qui nous pousse non à fuir encore plus loin de Dieu, mais au contraire à revenir vers lui avec humilité. Comme David dans le psaume 51 ou le psaume 53 que nous avons lu en introduction. Et je vous propose de réfléchir à quoi peut bien ressembler cette crainte de Dieu, cette humilité. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vous propose deux choses. D'abord, est-ce que tu as déjà pleuré sur ton péché? Pas juste les conséquences de ton péché, de tes mauvais choix, mais sur ta nature même de pécheur, le fait que ton cœur est dominé, comme poussé toujours à mettre Dieu de côté, mal agir. Est-ce que tu as vu la noirceur de ton cœur? Cette source qui devait être limpide et bonne pour conduire ta vie et qui est maintenant pourrie, amère, empoisonnée. Est-ce que tu as pleuré sur l'état de ton cœur et fait appel à Dieu pour recevoir un cœur complètement transformé, qui n'est plus sous la domination du péché, libéré de cette gouvernance du péché? Et deuxième indice, je pense qu'il pourrait montrer que nous avons compris ce passage, que nous nous humilions en rapport avec ce passage. Je pense que ce serait en cessant de renverser les rôles ou d'essayer de le faire sans cesse. Dans une vie sans Dieu, notre but est toujours de relativiser les exigences de Dieu. Oh, mais c'est bon là, tout va bien. Et de nous élever à son niveau comme si nous étions ses égaux, à pouvoir décider de ce qui est bon ou mauvais pour nous-mêmes, voire à nous placer au-dessus de lui. Mais quand nous comprenons qui nous sommes dans notre rejet de Dieu et que cela nous percute vraiment, notre attitude s'inverse. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Tout à coup, nous nous voyons tels que nous sommes vraiment, et c'est plus sombre que ce que nous avions pu imaginer. Nous reconnaissons notre corruption, notre dérèglement dans tout domaine. Nous voyons que rien n'a été laissé intact. Plus rien n'est pur, sans mélange, même dans nos meilleures journées, nos meilleurs moments. Et alors que nous reconnaissons profondément cette vérité, nous voyons la pureté et la beauté du caractère de Dieu, de ses vertus. Et plutôt que de nous en écarter, nous désirons vivre ça et ressembler de nouveau à celui qui nous a créés. Voilà, je crois, une manière concrète de vivre cette humiliation, cette humilité à laquelle nous pousse le texte. Voilà concrètement ce que produit la crainte de Dieu. Et alors, nous pouvons venir devant lui, les mains vides, sans masque, sans hypocrisie, et lui demander grâce. Je vous invite à prier.